super, je te comprends. Merci. Eh bien, bienvenue. Je crois que je vois quasiment que des autres que je connais, mais pas tout à fait. Donc, bienvenue à celles et ceux qui découvrent Tadix aujourd'hui. Donc, bon, on a discuté un petit peu. Aujourd'hui, on reçoit Geoffrey, qui nous fait la gentillesse de venir pour nous parler d'Accelerate, mais je te laisserai présenter tout ça mieux que moi. Donc, c'est la session d'Halloween. Pensez aux bonbons pour les enfants et pour les grands. Un grand merci à nos sponsors. On a Psytop, Ascensi, donc deux ESN du coin qui nous aident à faire venir Geoffrey, à avoir les petites pizzas à la fin, etc. Donc ça, c'est super cool. MAM, ici, que vous connaissez toutes et tous peut-être, donc qui nous prête gracieusement une salle par mois. Donc c'est super cool. Et puis toujours notre sponsor anonyme, dont on ne doit pas prononcer le mot, mais qui nous a gentiment fait une donation cette année. Et donc du coup, on le remercie grandement. Qu'est-ce qui se passe? Oula! D'accord. Je passe la main à la directrice de Tadix. Présidente. Donc, ils sont mes petits assidiens. Ils sont là. Ils sont bien en force aujourd'hui. Non, mais tu feras le reste. Du coup, il y avait une super animation. Elle a disparu. C'est pas grave. Tant pis. Tu peux recliquer juste une fois pour voir, parce que quand même, j'y tiens. Non. Et après? Non, bah tant pis. Du coup, on organise avec Abside une soirée concoctée par des Absidiens, le but étant de vous faire découvrir un petit peu comment on travaille, où on est aussi situé aussi, parce que ça va se passer à l'agence de Saint-Pierre-des-Corps, rue Fabienne-Mendy. Et du coup, on s'est vraiment cassé la tête pour concocter une petite soirée pour vous faire découvrir les différents métiers. Il n'y a pas que du développement dans le monde de l'IT. Et surtout, passez une bonne soirée. Donc voilà, ça se fait sur inscription, sur Eventbrite, comme Tadix. Si vous êtes intéressé, de toute façon, nous, on mettra le lien dans la communication. Et puis on fera. Oui, il y a une question. Pourquoi Pourquoi TechPaf? Un indice, il y a des citrons. Rien à voir avec toute boisson illicite. Il y aura quand même peut-être un petit truc sympa autour de ça. Il y aura du sel. Bon. Voilà. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Il faut juste s'inscrire parce qu'il y a une jauge. Et puis, c'est pour savoir voilà, quoi prévoir comme petite douceur. Le calendrier, il est costaud. Déjà, dès cette semaine, il y a le Oktoberfest qui est lancé par l'AFUP. Donc, c'est jeudi, c'est ça, hein, le 19 octobre. Ne le loupez pas, c'est toujours super sympa. En plus, ils ont prévu tout un tas d'initiations si vous n'avez jamais travaillé dans l'open source. Donc voilà, ça peut être super sympa. En tout cas, moi, je vous incite à y aller. AWS User Group via IPON propose une soirée autour de l'automatisation de la sécurité du cloud avec une architecture orientée événement, avec l'intervention de Christophe Bossé. Donc vous êtes les bienvenus. Et même si vous n'êtes pas fan d'AWS ou si vous êtes fan d'un autre cloud provider. Je dois en citer trois, c'est ça? OVH Cloud, Clever Cloud, allez, puis les Google et autres gros. 13 novembre, Tadix vous propose Johanna Vauchel, que connaît très bien Geoffrey, puisque dans son temps personnel, il donne énormément de son temps, il accompagne justement des primo speakers et Johanna en fait partie. Et d'ailleurs, elle a gagné, je crois, le tremplin pour Oui, exactement. BDXIO. Et elle a le droit, du coup, elle a une place à l'Agiltour Bordeaux 2023. Et une place à l'Agiltour Bordeaux 2023. C'est quand même trop classe. Prenez place. Et puis, en décembre, pour notre dernière date de l'année, c'est Eléa Péton, qui est une collègue OVH Cloud de Stéphane, qui est jeune, qui est belle et qui est intelligente. Elle m'énerve. Et en plus, elle est super forte en IA et c'est juste du bonheur de l'écouter. Elle est passée à Torrent Tech pour celles et ceux qui s'en rappelleraient. Et elle nous propose du coup un autre thème de conférence. Et on a hâte parce que moi j'en ai un à la maison qui fait des signes pierre, feuille, ciseaux devant son PC toute la journée. Je commence. Voilà. Donc s'il peut se former grâce à cette conférence, ce serait plutôt cool. C'est nous. Donc un grand merci toujours à Roxane qui nous a fait notre identité visuelle. Si vous avez un sujet qu'on n'a pas encore traité, qui vous intéresserait, ou il faudrait qu'on cherche du coup un intervenant, ou si vous avez vous-même un petit sujet que vous voulez
tenté d'aborder et de donner en conférence, on peut vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à soumettre. Il est où le CFP ? Sur Conference Hall ou sur le site TEDx.fr. Bien joué. Et donc, du coup, je crois qu'on a fait le tour. Tu as demandé pour les pizzas ? Non, parce qu'il n'était pas le seul. Comment ça ? Donc, qui veut rester à la fin pour manger un petit bout de pizza ? Elles sont très bonnes. Elles sont particulièrement très bonnes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. OK. Ça marche. Et puis du coup, je te laisse la main, Geoffrey. Un grand merci d'être venu là, parce que je ne sais pas si tu as fait l'introduction de la bonne façon. Ah oui ? Non, parce que... C'est ça. C'est moi qui l'ai amené, Geoffrey, parce que j'ai d'abord kiffé ton souhait, hein, Zenica, il ne faut pas se le cacher, j'aime beaucoup. Ensuite, merci. J'ai adoré ta... Alors, dans l'ordre, le thème de ta conférence, qui était un atelier à la base, je crois, que tu as ensuite donné en conférence. J'ai découvert l'atelier par un de tes collègues. Et puis, pour tout ce que tu fais aussi autour. Donc voilà, j'ai l'honneur et l'immense joie de vous présenter Geoffrey Graveau. Et oui, qui en plus a accepté de venir au pied levé. Et merci beaucoup. Merci Stéphane et merci Fanny. Et merci de me recevoir. Ce soir, ça me fait très plaisir d'être là. Et surtout sur un format où on n'a pas hésité, un format spécifique ce soir. Oui, effectivement, Accélérate, on va voir un petit peu. Je me permets de te tutoyer, tu connais un petit peu. J'en ai fait un workshop pour permettre aux gens de découvrir, parce que je trouve qu'il y a un intérêt de découvrir ce sujet. Je ne dis pas que c'est la réponse à tout, mais c'est bien d'y avoir mis un peu le nez dedans. Et j'ai fait également une conférence au DevOps cette année, et enfin un hybride des deux. Et tout de suite, je vais basculer sur mes slides. Du coup, ça pourrait être intéressant. Oh, toc. Vous n'avez rien vu. Ne voyez rien. Ne regardez pas. Ne regardez pas. Je sais qu'il y a un raccourci, mais je ne sais pas où il est. Hop, on revient ici. À la découverte d'Accélérate. Accélérate, je pense que vous allez en entendre de plus en plus. Vous allez en entendre parler de plus en plus. Souvent, en ce moment, c'est amené sous la couleur de ce qu'on appelle les Dora Metrics. Peut-être les métriques Dora, c'est implémenté partout. On va en parler. On va pouvoir en parler, on va pouvoir débattre. Bien, pas bien, quel intérêt. Ça, c'est avec grand plaisir. Ça, c'est un sujet que j'aborde très souvent. Et on va commencer tout de suite. Accélérate, ce n'est pas compliqué. C'est quoi ? C'est ce livre. Je vous le ferai tourner aux différentes tables. C'est un livre, c'est passionnant. C'est 257 pages en anglais qui parle de management de systèmes d'information. Un vrai régal. En 2020, j'ai fait une mission chez un client du service public. Il m'avait embauché en tant que coach DevOps. Le coach DevOps, sa définition, c'était en gros un mandat relativement fort. J'avais carte blanche pour amener une équipe à mettre en œuvre les concepts du DevOps, le CI, le CD, l'observabilité, bref, tout ce qu'on connaît, et j'en passe. Pas que de la technique, mais aussi les aspects culturels, de partage, tout ce qui est culture d'apprentissage, etc. Bref, super mission. Comme tout bon DevOps, j'ai fait une analyse et je suis vite allé sur le process de CI/CD. Est-ce que ça parle à tout le monde, le CI/CD ? Qui ne connaît pas. L'intégration continue, c'est cette capacité, c'est un processus souvent automatisé qui permet à un développeur, quand il crée son code, ensuite de le builder, de le packager, de le tester et de le stocker sur un repo et qu'il soit accessible par la suite. Le CD, là on va parler de Continuous Delivery, la livraison continue, c'est cette capacité de livrer de manière sécure, rapide et durable un package d'environnement en environnement. Est-ce que c'est un peu plus clair ? Ouais. Donc, je vais employer le terme CI/CD pour ça. Durant cette mission, j'ai dû travailler sur leurs outils et donc j'ai axé mes travaux sur l'intégration continue, donc le fait de builder, packager un code, le tester. Si vous connaissez Jenkins, pour ceux qui connaissent, ce que j'en ai retenu de ces 4 mois, c'est 10. Et 10, c'est le nombre de lignes de code qui a été écrite pour rendre cette intégration continue fonctionnelle. 10 lignes de code en 4 mois. Le lead time, 4 mois. Ça fait 704 heures. Je vous laisserai calculer. Et pour écrire ces 10 lignes de code fonctionnelles dans un environnement normal, il faut aller. On va dire qu'on prend le temps, on prend un café, on discute avec son pote, une heure. Il y a une différence de 703 heures. Ça revient
a regardé l'intégrale de la saison Casa de Papel 17 fois. C'est-à-dire que je prends chacun d'entre vous, je dis, vous regardez 17 fois l'intégrale de la Casa de Papel, je pense déjà au bout de deux fois, ça va vous gonfler. Et je vous dis, pendant ce temps-là, vous allez implémenter ces 10 lignes de code. C'est du pipeline as code en Groovy. C'est jouable. J'ai fini cette mission, j'étais relativement déçu, le client était plutôt content parce qu'on avait quand même secoué un peu la culture. Et quelques mois après, on me met ce livre dans les mains. Et finalement, ce livre de 257 pages en anglais qui parle de management de systèmes d'information, je me suis dit, pourquoi je ne l'ai pas eu avant? Ce que vous allez trouver dedans, ce sont des arguments pour pouvoir pousser vos pratiques DevOps, Agile ou Lean. Et ça, on va le découvrir ensemble. Mon objectif, c'est qu'en l'espace d'une demi-heure, avec le temps qu'on a, c'est de vous faire découvrir ce schéma, de vous faire comprendre ce schéma. Il est à la fin du livre, sur l'annexe A. En gros, ce qu'ils disent, ce schéma, c'est que si vous avez vos pratiques DevOps, Lean, Agile, et ces pratiques, selon cette étude Accelerate, parce que c'est une étude, a un impact sur votre organisation, des impacts business, des impacts de qualité, mais aussi de bien-être au travail. Et c'est pour ça que je pousse ce sujet, parce que les auteurs sont des personnes bienveillantes et il y a des aspects de bienveillance. Donc en gros, cette étude, qui est une investigation à l'échelle mondiale, on va voir comment, met en avant des pratiques, si je vous dis test automatisé, ça en fait partie, et ça a un impact sur votre quotidien au travail, évidemment sur le business, mais aussi sur la qualité. Allez, un peu d'histoire rapidement. En 2009, naît le mot DevOps. Patrick Debois crée le mot DevOps en 2009. Juste avant, en 2008, il crée un papier qui s'appelle « Gérer les infrastructures avec une approche agile ». Oui, le DevOps a une couleur agile à l'origine. Ça vient de la pensée agile. À la suite de ça, des personnes se sont dit « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas prouver que la naissance du DevOps, les concepts DevOps, sont réellement utiles pour les entreprises ?» Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont créé des formulaires, ils ont envoyé des formulaires à l'échelle mondiale. Des personnes ont répondu. Donc, on verra de 2014 à 2018, c'est 23 000 personnes qui ont répondu à ces questions. Ils ont utilisé des analyses statistiques, ils ont mis en évidence des données. Et notamment, en 2014, l'intégration continue aide les entreprises à livrer plus vite. Bon, en 2014, oui, ben, ça faisait sens. Maintenant, c'est plutôt trivial. Mais c'est ce genre de statistiques qu'on a eu. 2016 sort le fameux livre du DevOps, le DevOps Handbook, la version 1, et deux ans après, Accelerate. Ces fameux rapports, peut-être que ces pictures dans ces images vous parlent. 2014 à 2018, c'est le laboratoire DORA, ça s'écrit comme l'exploratrice, hein, DORA, donc c'est DevOps Research and Assessment, ont fait donc les études, ont mené les études et les ont publiées. À partir de 2018-2019, c'est Google Cloud qui a repris le laboratoire et qui mène l'enquête. Ici, voilà le rapport 2023. Vous avez un QR code, vous aurez les slides pour le télécharger, qui vous dit qu'est-ce qu'il y a à jour, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce que les organisations utilisent pour être plus performantes aujourd'hui. Que je vous propose donc, c'est qu'on tourne la première page du livre, tous ensemble, tous et toutes ensemble, et on démarre. Mais c'est vous qui allez travailler, parce que c'est une version spécifique. Vous avez un plateau, je demande à une main délicate, choisissez une main délicate, de retourner le plateau s'il vous plaît. Donc ça c'est un jeu que, par passion que j'ai créé, que vous avez, donc c'est le schéma que vous avez vu tout à l'heure, vous l'avez sous cette forme, avec un, on va dire, plus accessible. Je vous invite tous et toutes à prendre le premier paquet de couleur blanche. Il y en a un qui commence avec les mots profitabilité, productivité et part de marché. D'accord? Ce que vous allez faire en équipe, c'est d'essayer de découvrir tranquillement. Donc, je vous cache, il y a un lien entre évidemment les couleurs ici. Sinon, c'est tout à droite. Tout à droite, ici, il y a un lien entre ces cartes. Il y a un lien entre ces cartes et la partie droite du plateau, d'accord? Il y a la même couleur en plus. Le but, c'est de lire l'indice et de trouver ensemble à quelle picture, à quel pictogramme ça vous fait penser. Ces trois, vous allez voir déjà les trois auteurs. Il y a quand même Jenny Kim et Jason Bull. Si vous connaissez le Phoenix Project, c'est assez connu.
Et Jason Boyle, il a créé avec Dave Farley le Continuous Delivery, donc en 2014-2015, le livre du Continuous Delivery. Et accompagné, c'est à Nicole Forsgren qu'on doit la majeure partie de ce bouquin et du contenu. Elle a amené une grande perspective, c'est que le DevOps, ce n'est pas que de la tech. Parce que moi, aujourd'hui, quand je vois les profils DevOps, quand je fais du recrutement, c'est Kubernetes, Ansible, Terraform, certes. C'est quoi DevOps sur toi? Des outils, pas que. En fait, c'est vraiment pas que ça. C'est également un aspect culturel, un aspect de bienveillance et de partage. Elle a créé deux autres trucs, notamment Space. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. C'est un framework pour mesurer la productivité des développeurs. Attention, quand elle parle de productivité, elle prend des dimensions. La dimension culturelle. Est-ce que la personne peut apprendre en continu, développer de nouvelles capacités et innover? Elle prend une autre dimension, c'est le bien-être. Est-ce que la personne est bien? Est-ce que sa satisfaction au travail est élevée? Parce que la satisfaction au travail, c'est un prédicteur majeur de la performance de l'organisation. Et tous ces travaux sont orientés aujourd'hui DevEx, expérience dev. Et presque le message, c'est de dire aujourd'hui, vous, Ops, voyez les devs comme l'utilisateur de vos plateformes. Faites une approche produit. Platform as a product, ça pourrait être intéressant comme concept. Et elle pousse ça. Et à travers le temps, ils ont amené tous ces rapports. Donc au début, ce qu'on va voir, nous, aujourd'hui, c'est de 2014 à 2018, le contenu de ce livre. Et ce qu'il y a après, c'est à la main de Google. On verra un petit peu ce qu'ils ont fait en 2023, où on en est. Quand on ouvre le livre, très rapidement, on tombe sur ces statistiques. 23 000 personnes qui ont répondu aux différents formulaires à travers les 4 années 2014-2018 pour faire de la donnée. 24 capacités, c'est les 24 leviers d'action qu'on va découvrir, c'est toute la partie à gauche. Il y en a 30 en 2023, on verra lesquelles. Et c'est en 5 familles. On va jouer au jeu des 5 familles. Première famille, la culture. Pas la tech, c'est la culture. Il y a 5 leviers d'action orientés DevOps, Lean et Agile qui fait qu'on peut être plus performant, c'est-à-dire business, qualité et bien-être au travail. La partie Lean Management et Monitoring. On s'en doute bien que la note du Lean va amener de la performance. La partie produit et processus. Le Continuous Delivery. Donc quand on se dit Continuous Delivery, c'est toutes les pratiques autour du Continuous Delivery, toutes les pratiques techniques pour livrer de manière sécure, rapide et durable. Et enfin, il y en a deux de l'architecture. Et je vous ai dit, il y a des objectifs. On a des attentes grâce à l'utilisation de ces compétences de type business, stabilité, qualité et bien-être au travail. Et le but, et c'est le plus dur, c'est de trouver le point d'équilibre entre tout ça. Et ça, en fait, c'est une évaluation rapide de se dire, ben, vous prenez votre équipe, vous dites, ben, mettez des petits points là où vous pensez où on en est. Est-ce qu'on est plus orienté business, bien-être au travail, stabilité? Et en fait, vous allez créer des clusters et ces clusters vont vous dire les tendances vers où vous êtes. C'est très parlant, c'est très visuel et ça peut générer des prises de conscience. Ça vient des travaux peut-être de Knevin, de Dave Snowden, pour ceux qui connaissent. C'est un outil très, très puissant. Et évidemment, on ne va pas y couper, on parlera pilotage avec les parties KPI. Très souvent, je vais pas être je suis également un critique sur le Accelerate. Je suis également très critique. Je suis assez critique et je vous donnerai également mes perspectives sur ce qui est dit. Ce que vous venez de découvrir, donc, c'est la performance de l'organisation, à savoir productivité, rentabilité et réduction des time to market, aller plus vite sur le marché. Une entreprise, dans un monde aussi où il y a de la concurrence, elle doit avoir ça en clé, en main, arriver, prendre sa part de marché, livrer vite. Elle doit également avoir un catalogue de services qui plaît aux clients et avoir une satisfaction cliente élevée. Et pour avoir cela, il faut qu'elle soit, ce qu'on dit, performante dans sa livraison logicielle. Pourquoi? Souvent, on dit qu'une organisation, c'est une organisation du numérique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre business est fortement corrélé à la manière dont vous produisez vos logiciels et comment vous les livrez, et avec vos contacts avec vos clients. Et il y a un lien qui est très très fort entre ça. Ça sera un lien de prédiction, j'en reviendrai dessus. Tout ce que vous allez découvrir ici, ce n'est pas de lien de cause à effet. Ce n'est pas parce que vous faites du test automatisé que ça ira mieux forcément. C'est à force d'en faire, on peut, et je dis bien, on peut avoir un impact
positif dans notre organisation. D'accord ? Je reviendrai sur cette notion. Et donc, vous avez découvert qu'il y avait également des outcomes, des résultats pour améliorer la qualité et le bien-être au travail. Et maintenant, on va aller découvrir la partie culture. Ou il y a peut-être des questions avant. Est-ce que vous voulez que je revienne là-dessus ? Ce n'est pas forcément la partie la plus passionnante. Hein. Souvent, c'est les DSI et les head-off qui aiment beaucoup cette partie. Beaucoup moins les techs. Allez, partie culture. Partie culture, vous allez voir, c'est quand même intéressant. Je vous invite donc à faire le même exercice avec les cartes de couleur violette. Allez, ce que vous avez découvert ici, c'est juste une capacité, un levier d'action qu'on appelle le leadership transformationnel. Dans ce leadership transformationnel, il y a 5 dimensions. Ça, c'est issu d'un papier de recherche, je vous passe ça, qui sont la vision, la stimulation intellectuelle, j'ai fait une traduction anglaise-française comme ça, être inspirant, communication inspirante, la reconnaissance personnelle et le support, être leadership de soutien. Je vous donne un exemple. Imaginons, on travaille ensemble et je suis votre responsable. Faites pas la gueule, c'est bon, c'est cool. Et on arrive, on a un projet de chantier de test automatisé. Je pense que tout le monde a ça dans son entreprise et c'est un sujet pour tout le monde. Pas un problème, ok, certes. La vision. Comment je pourrais vous amener la vision en tant que leader ou responsable manager? Attention, hein, la notion de leader ici, peut-être un leader, ça peut être un dev, n'importe qui, d'accord? Prenant la position du manager leader. Lui, il est là pour fixer, vous amener l'environnement pour mettre à bien ce projet. C'est son rôle. Vous donnez les droits, vous donnez les ressources, etc. Et ça, ce rôle, il le fait grâce au leadership de support. C'est cette capacité, cette dimension qu'on demande au leader, d'être conscient, d'aller récolter les besoins des personnes, de les écouter donc. Parce que potentiellement, peut-être une personne, je peux te dire, ben, tu vas travailler avec moi, tu vas travailler avec telle personne, et tu me dis, ouais, mais comment on travaille ensemble, on ne se connaît pas, c'est à moi de résoudre ça. Première chose, être à votre écoute et répondre à vos besoins. Et puis, pour ça, évidemment, il va falloir aussi que ça vous stimule, parce que les tests automatisés, il y en a qui connaissent, d'autres pas, il y en a qui ont eu des mauvaises expériences. Mais en fait, c'est peut-être l'occasion pour nous de nous démarquer, de faire un truc bien. Si on s'y prend bien, qu'on se coordonne bien, ça peut être passionnant. Ah, toi, tu veux faire des tests automatisés JUnit en Java? Très bien, vas-y, travaille en pairing avec telle personne. C'est une occasion d'apprendre, de se découvrir. Donc, c'est ce qu'ils appellent la stimulation intellectuelle. Ce sont des opportunités pour travailler d'une autre manière. Et ça, c'est toujours pareil, ce leader qui doit être garant de vous fournir ça. Bon, on ne le voit jamais en entreprise, en général. Si, il y en a, si, il y en a qui sont très bons. La vision. La vision, c'est de vous dire, bon, voilà, sur court terme, dans 3 mois, on va devoir avoir ce chantier de test automatisé. Par contre, dans 1 an, il y a un projet sécurité qui vient de l'organisation et donc, il faut qu'on soit au rendez-vous. Ça, c'est important. Un jour, vous aussi, vous avez dû travailler sur des projets pendant 6 mois et le projet a été annulé parce que ça ne correspondait plus à ce que voulait l'organisation. C'est hyper frustrant. Il faut tout mettre à la poubelle et passer à autre chose. Le but, c'est de s'assurer que ce qu'on fait avec l'équipe et avec l'organisation soit toujours en lien, aligné. La communication inspirante, ce n'est pas vous dire « ça va être trop bien, on va déchirer ». Ce n'est pas vrai, on va avoir des emmerdes sur les tests automatisés, on le sait. C'est plutôt de dire, bon, ça ne va pas être simple, mais on a les capacités, je connais le potentiel, à part 1 ou 2 personnes, on peut y arriver. C'est pas vrai. C'est ça l'idée, c'est cette communication inspirante. Et également amener aux équipes, alors je suis désolé de rentrer un peu dans la systémique, je suis sérieux là, c'est la systémique là, c'est sérieux, c'est qu'une organisation, c'est un système complexe, dynamique. Alors ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, une solution que vous mettez à un instant T, dans 3 mois, elle est plus valable. Pourquoi? Parce que tout ce qui fait que l'organisation est un système, c'est toujours en mouvance. Donc en fait, une solution, il faut savoir s'adapter avec ce système. Et c'est là l'importance, on y reviendra plus tard sur l'observabilité ou des choses comme ça, c'est d'aller capter ce genre d'infos pour s'adapter. Et ça, cette prise de conscience, je trouve que ça manque beaucoup dans les entreprises parce qu'on ne le fait pas assez. On reste souvent fixé sur des solutions et on oublie que le contexte change et donc de s'adapter avec. La dette technique, par exemple, est liée à ça. Et enfin, la reconnaissance personnelle, soit avec des one-to-one, soit avec des entretiens de valorisation, de dire, ben voilà, je connais tes capacités, je sais ce que tu peux faire, je vois ton potentiel et j'en voudrais te mettre
leader sur le projet de test automatisé. Est-ce que tu aimerais être accompagné de 3-4 personnes parce que je pense qu'ils vont y arriver. Donc, c'est quelqu'un qui vous connaît. Quand j'étais chez une autre SS2I, je ne vais pas la nommer, pourquoi votre problème hein. Mon responsable, mon manager de carrière, m'envoyait 2 messages par an et c'est tout. Un pour Nouvel An, parce qu'il était obligé, et une autre fois parce que j'avais mal imputé chez mon client. Et c'est lui qui faisait mon entretien de carrière. Il ne me connaissait pas. Donc la reconnaissance personnelle, c'est hyper important. Ça, c'est juste une capacité que les leaders doivent mener. Il y a également, ils sont garants de votre contexte de travail et de vous fournir les outils et les ressources nécessaires. Rien de plus frustrant d'avoir un Windows loqué sans les droits admin, de pouvoir rien installer, d'avoir un bon Eclipse de 2018, et on n'a pas de plugin, nos raccourcis ne sont pas les mêmes, bref, c'est horrible. C'est eux qui sont garants de ça. L'outillage, on verra tout à l'heure, est garant très fortement, très fortement garant de la satisfaction au travail. C'est très souvent lié à l'outil et au process. Et à vos sourires, je vois que vous avez tous à peu près et toutes une anecdote en tête. Surtout Fanny. L'autre chose, malheureusement une capacité qui a été diluée et disparue au fil du temps, c'est encourager la collaboration entre les équipes. Aujourd'hui, c'est pas mal remplacé par le sujet team topologie, si vous en avez entendu parler. C'est un peu comment imbriquer les équipes pour qu'elles aient un flux de communication qui soit fluide et efficace. Et enfin, encourager l'apprentissage continu. C'est bête, hein ? Les dojos, les hackathons, les workshops, ça fait partie de l'apprentissage continu. Si on n'en fait pas, on stagne sur nos connaissances actuelles, on ne va pas aller chercher de l'innovation. Et ça peut être aussi autre chose. L'apprentissage continu, c'est aussi par le fait de toujours trouver un moyen de raccourcir vos boucles de feedback. Raccourcir les boucles de feedback. Soit via un test. Le test, c'est quoi ? C'est une évidence pour savoir l'impact d'un changement. C'est une boucle de feedback. Savoir si un travail a été réalisé. Une démo cliente, pareil. Plus c'est à peu près court, plus on va l'avoir rapidement, plus on apprend vite, plus l'équipe apprend vite. C'est l'apprentissage continu qui tend vers l'innovation. Et ça, c'est pareil, aux leaders, aux managers doivent être garants de ça. Le leadership transformationnel, je vous en ai parlé. Et enfin, Monsieur Westrum. Ron Westrum est un sociologue qui a étudié dans l'aviation et dans la sécurité des organisations. Et il a identifié toujours les mêmes typologies d'organisation. P pour pathologique, et ça existe encore. Pouvoir centralisé au niveau du chef, vous n'avez pas votre mot à dire. Tu fais une erreur, tu peux reporter l'erreur sur quelqu'un d'autre, tu t'en fiches, c'est malveillant. Tu m'annonces une mauvaise nouvelle, c'est fini. Ta tête tombe. Ouais, ça existe encore. Notamment, je peux le dire, dans le milieu hospitalier, je l'ai observé. Bureaucratique, ça, c'est ce qu'on connaît un peu plus. C'est très régi par les lois. On va être un peu plus dans le silo. Bah, tu veux quelque chose ? Fais-moi un ticket. Et puis après, je fais un ticket à Robert. Et puis Robert, il te fait un ticket à Jean-Charles. Mais il y a du bien aussi parce que ça permet de cadrer. Mais ça a des lenteurs aussi. Ça a des avantages, des inconvénients. Ça dépend des organisations. Et le G, c'est générative. Alors, ce n'est pas le monde de oui-oui et des licornes, évidemment. Mais presque. C'est une organisation où la collaboration et la communication, ce n'est pas un problème en fait. Tu as un problème, tu viens me voir, je te dis j'ai pas le temps, mais tu me vois dans une heure, on travaille ensemble. Donc on va aller partager les risques, on va aller apprendre ensemble, on va collaborer ensemble et surtout, l'innovation ne fait pas peur. Eh, dis donc, il y a Dapper, je ne connais pas bien, on fait un petit POC ? Allez, go. Demain on fait ça ? Allez, c'est parti. Alors que vous dites, on va faire un petit. J'ai vu un nouvel outil sur Kubernetes, on installe, on voit ce que ça donne. Oh non, attends, on va tout casser. Mais c'est la recette. Oui, non, mais on va tout casser. Bon, tant pis. L'aspect culture, alors, le modèle 2018 est un peu particulier, c'est le plus compliqué parmi les autres modèles. À la fois, la satisfaction au travail, c'est un des objectifs à obtenir et en même temps, c'est une capacité. C'est-à-dire que, on peut mettre en œuvre les autres capacités et atteindre cet objectif, mais il y a moyen aussi de travailler directement dessus. Idem pour la culture de Westrum. Et derrière, je vous montre les liens, les impacts sur l'organisation. Donc la culture a vraiment un rôle très important. Et notre leader, il est en début de chaîne. Et vous allez voir que c'est lui qui conditionne tout. On y reviendra après. Et enfin,
pour une raison que je ne sais pas, très obscure, mais encourager la collaboration dans les équipes et l'apprentissage continu est noyé là-dedans. Mais vous verrez que quasiment tout ce que vous allez voir est lié à la boucle de feedback d'apprendre en continu. Est-ce que c'est clair? À peu près. Ouais, super, top, parfait. Alors, vu que vous aimez les KPI, on va parler KPI, parfait. Keep people interested. Ça doit dire ça. Ah non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est des indicateurs clés de performance. Désolé. Oui, il y en a. Il faut les voir comme des indicateurs de progrès. Ce n'est pas des chiffres pour mesurer, surveiller, etc. Si, il y a des organisations qui le font, ça c'est sûr et certain. Mais derrière, quand on démarre le projet, quand on rentre dans Accelerate, les KPI doivent être ça. Et si jamais vous devez défendre votre position et votre équipe, vous avez des arguments à la clé. On en reviendra après. Les KPI. Les KPI principales d'Accelerate, c'est la fréquence de déploiement. Au lieu de déployer une fois par semaine, vous déployez deux fois par semaine, on le mesure. Et enfin, le délai de livraison des changes, des modifications, ou le lead time for change, abrégé en LTC. C'est quoi? Ben en fait, c'est une feature qui arrive côté dev, qui est committée, et on mesure le temps dès que ça arrive en prod. Vous avez une ligne de code qui arrive dans votre backlog. Une ligne de code, 14 caractères. Vous faites le commit de ça, et en combien de temps ça arrive en prod? Il y a des organisations, c'est une heure, d'autres un jour, d'autres une semaine, d'autres trois mois, d'autres six mois. Après, ça dépend de la valeur qu'elle a, et c'est ça qu'on mesure. Plus le temps est court, plus on va vite en production. Et en fait, c'est là où il y a toute la chaîne d'intégration continue, l'automatisation, qui va nous faire gagner du temps pour raccourcir l'arrivée en prod. OK pour ces deux notions? Eh bien, comme la famille Continuous Delivery est assez clé pour ça, je vous invite à découvrir les cartes, c'est le plus gros paquet de couleur rouge. Petit débrief, ça va? En fait, est-ce que là, vous n'êtes pas en train de vous dire que finalement, de l'accélérer, vous en faites déjà, quelque part? Que finalement, vous ne découvrez rien? Finalement, vous ne découvrez rien de nouveau, finalement? En fait, le vrai outil le vrai intérêt de l'accélérer, c'est comment la synergie, l'utilisation de ces capacités en même temps va avoir un impact. Et c'est ça le plus intéressant. C'est de se dire, quel impact on peut attendre, comment on peut le mesurer et quelle autre capacité peut m'aider à créer cet impact. Et c'est ça le vrai intérêt. C'est un guide. Hein. Test automatisé. Alors, chez qui ça se passe bien les tests automatisés? Ah, bravo. Dis-moi où c'est, je viens. Ça, on est d'accord. Ça dépend. En général, c'est un sujet, ça dépend de l'archi, ça dépend de beaucoup de choses, voilà. L'architecture souvent, etc. etc. Mais en général, c'est encore un sujet important. Les tests automatisés contribuent, vous le connaissez mieux que moi, à la qualité, à avoir des boucles de feedback. J'aime beaucoup cette définition de Dave Farley, hein, Dave Farley qui est vraiment très populaire. Ce sont des évidences pour prédire l'impact d'un changement suite à une modification du code. J'aime beaucoup cette définition. Je trouve qu'elle parle une évidence pour prévoir l'impact d'un changement. J'aime beaucoup cette définition du test. Les déploiements automatisés, effectivement, aujourd'hui, ça paraît peut-être trivial, mais moi, je vois encore des organisations, je dois les accompagner sur ça et de l'automatisation. C'est beaucoup lié à la sécurité, au process où je suis bloqué, mais ça fait partie du jeu. Alors, déploiement automatisé, le but, ce n'est pas de se rouler les pouces hein, pendant que la machine les déploie. Ça sert à une chose, et on en parlera après avec des aspects de qualité. Ça sert surtout à permettre aux équipes à être prêtes à interagir, à agir en cas de panne. C'est ça à quoi ça sert l'automatisation. C'est se dire qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Ben, on observe ce qui se passe et on est prêt à intervenir et à réagir pour établir rapidement. L'intégration continue, j'en parle pas, et livraison continue, je pense que c'est bon. Le version control. Je crois que tu avais dit, tu n'avais pas compris quelque chose autour de ça.
Alors, les indices, il n'y a pas forcément de lien, il n'y a pas forcément une information qui apporte quelque chose. C'est plus pour faire référence au CEM vert. Voilà, le CEM vert, voilà, tu étais sur un fixe. Et voilà. Le version control, aujourd'hui, on va dire le kit de base, Git, GitLab, Git, GitHub, c'est le kit de base aujourd'hui, je crois, à peu près, les plus populaires au moins. Et donc, en fait, le but, c'est d'aller versionner le code, historiser, savoir où sont les changements et stocker le code. Donc, c'est un peu l'idée. Pouvoir taguer, faire des rollbacks facilement, etc., etc. Mais cette capacité, c'est là que c'est intéressant, elle est plus importante pour les ops que pour les devs. Pourquoi, selon vous? Il y a des gens qui gèrent de l'infra as code ici. Pourquoi c'est important de versionner son code en... Ouais, exactement. Je prends un cas. Comment? Oui, ça peut savoir oui où ça a pété, pouvoir rollbacker. Effectivement, imaginons que vous avez de l'infra sur votre cloud provider préféré. Comme ça, je n'ai pas besoin de les dire et de dire tout le reste. Et derrière, pour une raison X ou Y, au niveau réseau, ça pète niveau région. Et bien en fait, si vous avez la possibilité de faire avec un disaster recovery ou autre, de rétablir avec l'infra as code sur une autre région, il y a juste à changer un paramètre, de restaurer l'application dessus et refaire l'aiguillage DNS, vous pouvez potentiellement rétablir votre application le temps d'un moment, avec toutes les pertes de performance, les ouvertures réseau qui va avec, mais c'est possible. Et c'est l'idée, c'est pour rétablir rapidement l'application qui tourne dessus. Ah, le trunk-based development, mon prochain gros sujet, je pense, voilà, à venir. Qui en pratique, qui en fait? Oh, mais vous êtes la chance. Qui ne connaît pas du tout? Ok. Je ne suis pas un spécialiste, vous n'hésitez pas avec votre expérience à affiner. Bon, vous êtes certainement sur le mode feature branching. Donc, si on prend par exemple un modèle Scrum, très souvent, on va ouvrir sa branche et puis on va la merger dans 2 semaines ou 3 semaines. On va dire le truc bien long. Qu'est-ce qui se passe au bout de 3 semaines? C'est qu'on pète un câble avec le merge L. C'est-à-dire que le merge va devenir un enfer. En plus, si on est en git flow, ça va être encore pire. Bref, le truc qu'on aime bien. Le trunk-based development, c'est se dire que votre base de code main, elle fait foi. Et elle doit être toujours déployable. Son statut doit être ouvert, tout le temps déployable. Votre base de code, votre code, doit être tout le temps déployable. C'est-à-dire que, ouais, mais comment on avance? Bien, en fait, tu vas créer une branche, tu vas la déployer, tu vas la faire ton implémentation, une petite implémentation, pas forcément finie, avec des patterns, on en parlait tout à l'heure, et tu merges. Ouais, mais s'il y a un problème, bah, tu revertes, parce que ton code est petit. Donc normalement, tu maîtrises et tu rétablis ton truc. Ou alors tu fais un fixe. Mais en une minute, en quelques minutes, ça doit être fait. Évidemment, sur la main, je parle. D'accord? Et on déploie au fur et à mesure. La trunk-based development, il faut beaucoup de choses. Il faut une archi qui soit faiblement couplée. Il faut une batterie de tests qui soit relativement solide. Il faut un découpage du S relativement petit et bien fait. Souvent, c'est de l'invest. Aujourd'hui, Decathlon, par exemple, c'est un Rex public. Hein. Decathlon, aujourd'hui, ils font du 1-3-5. Et à 5 même, ils sous-découpent en termes de story point. C'est du 1-3. Sinon, ils ne prennent pas. Sinon, ça repart dans le backlog. Il y a ça et j'oublie d'autres éléments. Donc le trunk base, c'est ça. Alors au début, ça peut mettre. Alors, il y a des mauvais effets du trunk base. Je l'ai vu chez. Je ne peux pas dire son nom. On va appeler. J'ai travaillé chez un géant du e-commerce français. On va l'appeler C'est pas trop cher. Chez C'est pas trop cher, oui, je n'ai pas d'originalité. Chez C'est pas trop cher, il y a des équipes qui ont voulu passer du feature branching de 3 semaines au trunk base development. Et sauf que ça leur a mis trop de pression. Et ils n'étaient pas prêts parce que l'environnement n'était pas prêt. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé un effet pervers de se dire on se met une pression, c'est horrible, on va livrer à 18h. Et en fait, ça a été négatif. Et donc, l'approche a été plutôt de comment on passe à 2 semaines, comment on passe à 1 semaine. Et je crois que leur max, c'était 3 jours. Donc, ils mergeaient tous les 3 jours. En termes de pattern, on ne va pas en parler ce soir. Feature flipping, feature flag, pour ceux qui, ça dépend du nom. Martin Fowler, hein, c'est une référence pour ça. Le branching by abstraction pour la partie back, très important, et le dark launching. Le dark launching, vous créez votre back, vous foutez en fraude, mais vous n'y branchez pas le front, c'est tout. Vous pouvez. Le back, on peut le pousser jusqu'en prod, hein. C'est pas un problème. Hein. Et puis le jour où il y a besoin de l'allumer, ben on l'allume, et puis basta. Il y a d'excellents talks, je pourrais vous donner les références par la suite.
Intégrer la sécu dès le début du cycle de développement en formant des security champions, du SAST, du DAST, du SCA, des pen tests et pourquoi pas du bug bounty si vous avez beaucoup d'argent à mettre en l'air. Et enfin, la gestion des données de test, très important. La gestion des données de test, pareil, ce n'était pas trop cher. Il y avait une équipe dédiée à la mise à dispo des jeux de données de test aux équipes. Quand la base de données était facile et qu'il n'y avait pas des données croisées, dès qu'il y avait une modification qui allait impacter la base de données, cette équipe était informée dès l'arrivée dans le backlog des devs. Ils créaient les jeux de données avec de la data anonymisée, ils peuplaient la base. Donc les devs, ils avaient en recette, ils avaient leur base peuplée. Donc ça marche pour les jeux de données simples. Dès que ça commence à être croisé, là, c'est plus chaud. Et c'est l'idée de cette capacité. Et ça évite de rester bloqué pendant 3 semaines sur son environnement de recette et de ne pas pouvoir aller plus loin et de ne pas pouvoir tester. Parce qu'on est dépendant d'une autre équipe. Des questions ? Des remarques ? Oui. C'est un ordre spécifique ou ce que tu as décrit là, ça n'a pas forcément d'ordre spécifique quand on veut le déployer ? Non. Ça dépend du contexte. J'adore ça. On verra après qu'en fait, en fonction il y a les suggestions. Il y a des suggestions aujourd'hui que beaucoup de consultants utilisent, c'est-à-dire de commencer par les tests automatisés, les tests de déploiement, le déploiement automatisé. C'est le truc de base, l'automatisation, ça permet de rassurer tout le monde, ça va plus vite. Mais en fait, en réalité, c'est le fond du problème, c'est peut-être autre chose. Et des fois, il faut aller vers des audits ou des trucs plus complexes. Mais j'en parle vers la fin. Alors, comme vous le voyez, ici, il y a des liens. Le leader, son rôle, c'est de vous mettre des environnements qui vous permettent de mettre en place ces nouvelles pratiques plus facilement. Les personnes, les organisations dont les leaders adoptent les 5 dimensions que je vous ai parlé, permettent de favoriser à 10%, seulement de 10%, la mise en pratique. Ces capacités dans les organisations. D'accord ? C'est pas énorme, 10%, mais ça a quand même de l'influence sur la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques. Et derrière, vous vous doutez bien que ça a un impact sur le continuous delivery. Les 3 critères du continuous delivery, sécure, durable et rapide. Et derrière, ce que dit Accelerate, c'est que petit à petit, tout ça, ça va impacter tout ce qu'on a découvert, le biz, la qualité et surtout le bien-être au travail. Mais pourquoi le bien-être au travail ? Imaginons que votre mise en prod, petit à petit, avec tout ça, devient indolore, maîtrisé et invisible. C'est cool. Il n'y a plus de pression à aller en prod. Chez C'est pas trop cher, il y a des équipes. Alors, ils ont adopté le microservice et ils sont assez faiblement couplés. Aujourd'hui, quand ils font un hotfix, ça part du dev jusqu'à la prod en 1 heure. Avec une step manuelle d'approbation, de lecture des rapports de test avant d'aller pousser en prod. En 1 heure. Et donc, évidemment, et c'est le dev qui fait tout, sauf sur prod. Derrière, l'autre chose, c'est que ça va impacter aussi le burn-out. Parce que si on a moins peur de livrer en prod, on a moins de pression. Ça joue aussi sur notre quotidien, notre bien-être au travail. Livrer un vendredi, facile. Non, peut-être pas. Mais... Et etc. Et les autres capacités. Et la vitesse importante dans les KPI ne va pas sans stabilité. Vous ne pouvez pas rouler à 130 km/h sur une autoroute sans vous assurer que vos pneus soient bien gonflés quand même. Eh ouais, ce serait un peu dangereux. La stabilité, c'est important. Le premier, MTTR. Je vous avais dit, une organisation, c'est un système complexe. Un système complexe, c'est quoi ? C'est qu'il y a une part de hasard qui nous échappe. Cette adaptabilité, il y a une mouvance, des choses qu'on ne voit pas. Et quelque chose qui se passe souvent dans l'informatique, c'est que la panne est inévitable. Ah tiens, c'est tombé en panne. Vite, il faut restaurer. Et cet indicateur, il dit quoi ? Si la panne est inévitable, par contre, en combien de temps on détecte ? En combien de temps on mobilise les équipes ? Et en combien de temps on répare ? D'où la naissance de cet indicateur. Il est beaucoup critiqué. Il n'est pas jugé pertinent par certains experts. Il est jugé pertinent par d'autres. Donc, méfiance. Aujourd'hui, c'est un peu une observation. Mais voilà, chacun, faites-vous votre avis. Et le dernier, le CFR, le volume de change qui, suite à arriver en prod, le code, ça a planté, il y a un hotfix ou un rollback à faire. Donc, plus celui-là est bas, moins il y a de panne en prod, plus on s'améliore. Bon, on a eu des indicateurs, mais ça nous sert à quoi ?
Et ça, vous allez voir beaucoup, c'est le tableau de ce qu'on appelle le tableau de performance. En fait, les organisations se comparent. Il y a trois catégories, faiblement performant, moyennement performant et très performant. Et il y a des critères. Le très performant, par exemple, il déploie à la demande. Ce n'est pas trop cher, par exemple. Il peut, il envoie ses nouvelles features entre un jour et une semaine. Nouvelle feature, hop, une semaine, c'est envoyé. Il répare en moins d'un jour. Et il a un taux de mise en prod qui est moins de 15%. Et ils ont mis des catégories. Le but d'Accelerate, et ça c'est très important, c'est pas d'être high performers. C'est pas d'être là. Hein. Les organisations, ouais, clairement, les execs, ils disent « Ouais, il faut qu'on soit là, on va être les meilleurs. » C'est casse-gueule. Si jamais vous avez des services qui sont critiques, est-ce qu'il ne serait pas tout simplement plus pertinent d'être médium, mais sur la partie stabilité, tout simplement. Là, si vous estimez que vous réparez entre un mois et une semaine, peut-être que c'est juste le seul axe. Voilà, comment on s'améliore. N'oubliez pas, hein, c'est une démarche d'amélioration continue. Donc, étape par étape, qu'est-ce qui est pertinent et comment on monte une marche. Déjà, une marche, la mettre en œuvre, c'est pas simple. C'est bon pour vous? Et pourquoi ça fait un gros succès Accelerate? Bon, très rapidement, la différence entre high performance et low performance, les high performance livrent 1000 fois plus souvent. Mais ils ont 3 fois moins de panne parce que la qualité est au rendez-vous. Et ils vont 6570 fois plus vite en prod. Alors, si vous prenez les fameuses lignes de code, là, les 14 lignes de code, je vous avais dit, qui arrivent dans votre backlog, il y en a qui livrent en une heure, mais d'autres qui livrent en 6 mois. Je pense qu'on va arriver sur ce ratio. Et pareil pour le temps de rétablissement, apparemment. Bon, voilà, on arrive à peu près à la moitié du livre. Eh bien, je vous invite à découvrir les cartes bleues et jaunes. Produits et processus. Découpage en petits lots. Pour ceux qui font de l'agilité, vous avez certainement entendu parler de Invest pour découpage US, etc. L'idée, c'est de travailler avec des unités très petites. Les US, quand elles sont nébuleuses, ben, comment on les implémente, c'est hyper compliqué. Donc forcément, on doit raffiner, on doit voir plus petit, on doit les redécouper. C'est l'idée derrière. Moi, il y a un verbatim un jour d'une personne qui m'a dit, moi, une US, quand j'imagine dans ma tête comment la terminer, elle est suffisamment petite. J'aime bien ce verbatim. Donc, c'est l'idée. Mais c'est aussi pour la notion de batch. Imaginez un batch, une transaction, un gros batch qui tourne bien lourd, etc. Ben, ça va prendre du temps et si ça plante, potentiellement, ça peut coûter très cher. Pourquoi ne pas le découper en plein de petits batchs? Si le premier se plante, ça coûte moins cher, on le détecte vite et on peut corriger. C'est l'idée derrière de ce pattern. OK? Le deuxième, alors rendre visible votre flux de travail. Souvent, on parle des VSM, Value Stream Map, la cartographie de flux de valeur. L'idée, c'est d'identifier toutes les étapes depuis l'expression de besoin jusqu'à la mise en prod. Je dis bien depuis l'expression de besoin. Donc depuis la demande cliente jusqu'à la mise en prod. Et derrière, d'identifier tout ce qui se passe, de mesurer les temps d'arrivée de chaque unité de bout en bout. Je ne détaille pas, il y a des très bons talks dessus également. Vous regardez Value Stream Map, tout simplement. Ça, c'est un outil quand vous avez un bon mandat d'une organisation, il faut un bon mandat, que vous pouvez aller rencontrer toutes les équipes, comment elles travaillent, vous pouvez faire des cartographies de ces flux de valeur. Mais c'est l'intérêt du consulting et d'avoir des mandats relativement hauts. L'expérimentation en équipe. Alors, ne pas oublier que le livre, à la base, vous allez voir pourquoi... J'en parle. Le livre, à la base, il va chercher des données à travers le monde. La France, c'est à peu près 7% de la représentation de ces données. Et globalement, c'est l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud qui répond. Que dit cette capacité, vous allez voir, c'est que tu peux défier les specs et si tu penses qu'il y a de la valeur pour le client, eh bien, tu changes les specs et tu implémentes autre chose. Chose qui est inimaginable aujourd'hui, je pense, dans nos entreprises. Par contre, je l'ai vu une fois chez un UX designer. Un UX designer, un jour, il avait un design imposé. Il a dit non, moi, je connais mon boulot et il y aura plus d'intérêt
de mettre les boutons de cette manière parce qu'on va booster notre affordance et donc ça sera plus utilisable. L'utilisabilité, on approche produit, c'est intéressant. C'est aussi ça dans l'UX design, je pense que c'est plus simple à mettre en œuvre. Et la culture A/B testing, je l'avais oublié également. Oui, merci. A/B testing, c'est bon pour tout le monde ? Non. A/B testing, c'est en fait, tu vas avoir deux applications en même temps. Et en fait, tu vas avoir un flux à droite, un flux à gauche d'utilisateurs. Et en fait, tu vas avoir, tu vas mettre des métriques pour mesurer, par exemple, le taux de clic. Et te dire, attends, il clique plus là, donc peut-être qu'on devrait faire ça, etc. Et après, tu fermes ton flux et tu gardes la solution finale. C'est dans les grandes lignes. Et enfin, les retours clients, les démos clients. Chez Decathlon, il y a un PO. Il est en très haute collaboration, partenariat avec ses utilisateurs finaux. Il prend le téléphone, il fait j'ai une feature qui arrive là dans une semaine, t'es chaud. Ah, je suis pas chaud, mais attends, là, je suis pas prêt. Et il se cale rendez-vous, c'est fini. Donc en fait, il va avoir de, si je peux me dire, de producteur à consommateur, un lien direct. Et ça, ça a une valeur inestimable pour répondre aux questions. Est-ce que ce que je produis répond à son besoin? Est-ce que ça a vraiment de la valeur? Et du coup, si jamais il y a un problème, d'avoir rapidement des retours pour mettre à jour dans le backlog et prioriser peut-être d'autres choses. Plus facile à dire qu'à mettre en œuvre. Derrière, ça a des impacts. L'architecture, elles sont mêlées aujourd'hui, vous les avez vues avec celle du Continuous Delivery dans le jeu. Il y en a deux, les architectures faiblement couplées. Donc le couplage, c'est A est couplé à B, c'est-à-dire que si A change, B va avoir des problèmes. Et par exemple, qui aujourd'hui peut tester et déployer un de ces composants qu'il produit de manière autonome, sans dépendre d'une équipe? Ça aussi, ce couplage, c'est important. C'est l'idée derrière. Le but, c'est d'avoir des unités testables et déployables de manière autonome et à la demande quasiment. C'est ça qui fait qu'après, on peut tester et déployer de plus en plus vite et améliorer son continuous delivery. Je sais bien, l'architecture, ça coûte cher et il faut faire souvent des refactos. Les refactos de l'archi, ça passe par recomprendre les process métiers, vive le DDD, je ne dis rien d'autre. Équipe autonome et responsable de leur outil, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous savez le poste Windows avec Eclipse qui est vieux? Mais c'est ça. Aujourd'hui, on doit vous auditer sur qu'est-ce que vous avez besoin pour travailler de manière plus productive. Ça devrait être un truc indispensable. Comment tu travailles? De quoi as-tu besoin? Comment on pourrait faire mieux? Ouais, mais là, je travaille avec ça, je manque de droits. Ouais, mais la sécu n'a pas d'accord. C'est dur, il faut des leaders vraiment qui s'accrochent. Moi, c'est un des combats que j'ai actuellement avec la RSSI de mon client. On se bat sur ça et je dois amener des garanties. Mais derrière, il y a un impact sur les équipes qui est énorme. Parce que, un, ils voient qu'on se bat pour eux. Deux, si on arrive à obtenir ces droits, ben, ils ont gagné une marge de manœuvre énorme. Non, potentiellement énorme. Mais évidemment, il faut être responsable des outils parce que derrière, il ne faut pas les casser de business également. Il ne faut pas mettre des outils qui injecteraient des failles de sécurité, etc. Donc, elles se mettent ici. Et le lean management et monitoring. Work in progress, limite. La limitation des encours, si vous travaillez avec du Kanban ou autre, c'est de limiter le flux de travail de ce qui est en cours. Vous êtes une équipe de dev. Imaginez, vous êtes 5. Et on va dire que les tâches, c'est du 1 pour 1, c'est-à-dire une tâche égale un dev, et c'est bien réparti. Et là, il y a 4 autres tâches qui arrivent dans les encours. Vous arrivez à 9 tâches à faire en parallèle, et vous êtes 5. Votre capacité d'équipe est dépassée. Et potentiellement, vous allez rentrer dans quoi? Dans l'usure de l'équipe. Et c'est l'équipe, du coup, qui va commencer à en souffrir. Je vous invite à regarder un truc qui s'appelle l'effet Zeigarnik. L'effet Zeigarnik, c'est quoi? Quand vous Z-E-I-G-A-R-N-I-K, quand une tâche n'est pas finie, notre cerveau garde ça en background. Et en fait, ça fait quoi? C'est de la charge mentale. Et cette charge mentale, puis il y a des choses en cours qui ne sont pas terminées. Moins on a de... je crois que c'est la dopamine, je ne sais plus quoi, quand on finit une tâche, il y a une hormone quand on termine une tâche. Et en fait, on cumule, c'est l'effet Zeigarnik, charge mentale, et potentiellement burn-out, etc. Le working progress limit, c'est pour protéger les équipes avant tout. Mais s'il est trop bas, c'est le flux business qui n'est pas assez important. Donc le but, et c'est ça, j'adore cette capacité, c'est de trouver ce juste équilibre en fonction des flux business, etc., pour permettre de préserver l'équipe et d'aller vite. OK? Si vous cherchez un bon talk, c'est pas pour faire plaisir à Fanny, mais j'aime beaucoup son talk sur le working progress. Il est vraiment très, très bien et je vous le recommande. C'est un des rares qui explique bien, de manière concise, rapide,
quel est l'intérêt et pourquoi il faut le mettre en œuvre. Vivement la VSM. Le management visuel. Bon, on va parler Jira, c'est pas grave. Aujourd'hui, imaginez, vous avez vos tâches dans Jira et je vous dis, j'enlève Jira. Vous n'avez plus rien. Je vous dis maintenant, organisez-vous pour travailler. Bon, vous comprenez l'intérêt du management visuel. Vous allez aimer Jira, acheter Jira. Non, c'est pas vrai. Il faut dire quoi et Trello, etc. Voilà, j'y donne marque, etc. Et trois, c'est quoi le troisième? Il y a un autre. Voilà. Merci. C'est le projet. Voilà. Et l'observabilité, aujourd'hui, l'informatique, c'est abstrait. C'est une science abstraite. Qu'est-ce qu'il y a de concret à part le côté physique des machines? Il faut bien observer ce qui se passe. Et c'est le but de l'observabilité, de vous donner des métriques, des logs. Qu'est-ce qui se passe dans mon appli? Qu'est-ce qui se passe sur mon système? Et de pouvoir réagir avant que la panne arrive aussi. Et pour agir avant que la panne arrive, on le verra après, c'est qu'il faut être prévenu. Et c'est l'intérêt des notifications proactives. Comment être prévenu avant que l'incident arrive? Mais si on met un seuil trop bas, on est spammé par des messages. Du coup, l'alerte n'est plus une alerte. Donc du coup, le but, c'est toujours pareil, trouver ce juste équilibre, ce trade-off. Et c'est le but de ça. Mobiliser rapidement les équipes, mais ne pas non plus les noyer dans la formation. Et enfin, alléger les process pour partir en change. Pour ceux qui connaissent ITIL et le CAB, Change Advisory Board, les équipes les plus performantes n'ont plus ce comité de personnes qui disent « c'est quoi les enjeux de mal livré ?» Bah, c'est ça, qui dure une heure, deux heures et on ne part pas en prod. Il faut enlever ce processus. Qu'est-ce qui fait foi? C'est de travailler en pairing, de faire du code review. Et le trunk-based development est une manière aussi de l'amener tout ça. Et donc le fait d'avoir des gens qui connaissent leur code, qui relisent le code, qui partagent le code, ça remplace petit à petit. Et c'est ça qui va amener l'assurance et la qualité. Plus les rapports de test, évidemment. Et bien voilà, vous venez découvrir ce schéma. Donc ça pouvait être nébuleux au début, mais finalement, comme je pense que vous n'avez rien découvert de nouveau peut-être dans les pratiques, par contre, comment ça marche ensemble, comment ça s'agence, là oui. Pour terminer cette section, je vais fermer le livre. Et je pense qu'il y a des questions, c'est comment je démarre, comment je fais lundi. Si vous estimez que vous livrez peu souvent, donc je vous laisserai regarder, vous pourrez reprendre le tableau. C'est-à-dire, normalement, si vous êtes à vous livrer sur un mois ou six mois, le truc de base, c'est d'automatiser et de monitorer. C'est le kit de base. Vous voulez démarrer, automatisation des déploiements, les tests automatisés, et j'oublie l'intégration continue, évidemment, qui fait que votre manière de livrer va être plus rapide, plus fiable, plus pertinente. Et évidemment, le monitoring. Aujourd'hui, il y a des stacks qui se déploient très rapidement, qui vous donnent le minimum sur ce qui se passe sur la machine et dans vos applications. Et après, si on veut vraiment être ambitieux et déployer comme c'est pas trop cher en une heure en prod, là, c'est plus compliqué, évidemment. Il y a des outils. Souvent, je ne vous cache pas. Alors, il y en a qui partent sur les value stream maps. Pourquoi pas? C'est un bon truc. Mais ça ne résout pas le problème de pourquoi il y a cette culture dans une organisation. Pourquoi il y a ces process? Comment on les allège? Comment on va challenger tout ça? Et ici, en général, c'est souvent des audits qui vont permettre de déterminer comment démarrer auprès de sponsors. Par contre, vous pouvez, dans votre équipe, faire une autre approche. Et ça, bon, c'est l'objet d'un autre talk, mais c'est d'aller chercher entre vous qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent parmi toutes ces capacités, d'aller chercher les statistiques dans les rapports et de dire à vos responsables, là aujourd'hui, ce qui ferait sens pour l'équipe, c'est ça. Et si on investit dedans, ben, on sait que c'est un investissement et que c'est rentable et on sait quoi attendre. Je vous donne un exemple. Si vous dites, ben, nous, on a besoin de mettre en place les working progress limits dans votre équipe, ce que vous allez chercher, c'est la protection de l'équipe, le moral de l'équipe, la santé de l'équipe, ça se mesure. Il y a des outils et ce n'est pas des chiffres forcément. Ça peut être un verbatim. Quelqu'un qui me dit, bah, depuis qu'on a baissé le volume de travail en cours, bah, je souffle. Ça, c'est un verbatim important. Mais sauf qu'aujourd'hui, quel manager aujourd'hui les écoute ce type de verbatim? Donc c'est très important d'aller aussi mesurer ce que disent les gens. C'est un autre combat, mais voilà, réclamez aussi des audits qu'on vous écoute, que vous puissiez partager vos besoins et qu'ils y répondent. Parce qu'aujourd'hui, il y a un désengagement des organisations qui est très fort, il y a des turnovers qui sont très forts. Il y a je pense que sur Bordeaux, moi je vois ce contexte, je le vois beaucoup sur Bordeaux, et c'est très important aujourd'hui que les managers aillent chercher
de l'information du terrain et soit à l'écoute. Voilà, et après, il faut mettre l'accent sur les capacités, pas sur la maturité. Les matrices de maturité, ça ne marche pas dans Accelerate, et ce qu'ils disent, c'est de faire ça. Et là, vous allez très vite reprendre des approches agiles, c'est de se poser des questions. Vous voulez lancer l'automatisation des tests, comment on démarre si vous partez de zéro? Et si vous en faites déjà, c'est quelles sont vos pratiques actuelles? Peut-être que tout le monde n'a pas le même niveau d'information. Une fois que c'est fait, mais comment on se challenge sur nos habitudes si on a envie de s'améliorer? Et là, c'est l'intelligence collective qui va primer. Comment adopter de nouveaux comportements pour s'améliorer? Comment nous mesurer? Si vous en êtes là, ben c'est très bien. La mesure ne vous rendra que plus pertinent aux yeux des responsables. En disant, bah écoute, on a pris l'initiative de faire, de rajouter des tests de mutation en Java, mais depuis qu'on a des tests de mutation, nos tests unitaires sont encore plus robustes, et on a gagné en qualité, on a moins de bugs de dev à recette. Regarde, on a ce volume de bugs en moins. Ah ouais, d'accord, et donc on devrait faire ça à l'échelle. Oh, ça pourrait être bien. Avec toute la difficulté aussi que peut amener les tests de mutation, mais pourquoi pas. Et enfin, quels sont les pièges autour de cette pratique? Si je vous dis le coût des tests versus le coût des bugs, parce que les tests, il faut les maintenir. Surtout qu'on arrive sur du end-to-end ou du haut niveau, il faut les maintenir. Donc ça peut être un piège, le coût. Si jamais on perd une personne qui est clé, ben les tests seront peut-être plus maintenus. Donc il faut aussi penser aux pitfalls et quels sont les pièges. Voilà, toute capacité est mesurable. Par exemple, les tests, vous avez 10 000 manières de voir. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas que des chiffres. Il y a aussi le fait que l'équipe dise « j'ai moins de pression ». Et puis, on est plus confiant sur ce qu'on livre. Ça, c'est important. Et c'est très souvent oublié. Donc, quand quelqu'un dans votre équipe vous dit un verbatim comme ça, suite à une mise en œuvre d'une initiative de votre part, ne négligez jamais, jamais, jamais ça. Quitte à aller faire des formulaires pour avoir les écrits des gens. Le côté narrative, c'est le côté vraiment ce que disent les gens, les verbatim, c'est aujourd'hui mon approche dans Accelerate. Et elle marche très, très bien. Et Accelerate en 2023, on finira avec ça. Si vous tapez Dora Google plus Research, vous ne tombez pas sur cette personne, mais plutôt sur ce site. Et vous allez retrouver la mise à jour du modèle. Attention, je vais vous expliquer pourquoi il est plus petit. Et surtout, la liste de tous les catalogues, le catalogue de toutes les capacités, pardon. Je commence à fatiguer. Et comment démarrer? Mais justement, qu'est-ce que c'est? Comment on fait bien? Comment on se mesure? Quels sont les pièges? Et quelques ressources. J'adore ce modèle. En 2023, donc là, vous allez retrouver les capacités techniques. D'accord? Pourquoi il est plus petit? C'est parce que c'est leur modèle d'hypothèse. En fait, ils font des hypothèses chaque année. Ils prennent des petits bouts de section et après, ils les agrègent. Cette année, ils sont restés focus sur la partie technique. C'est un choix. Et il y a deux choses qui viennent d'apparaître. La documentation de qualité sera un facteur d'influence sur la mise en œuvre des pratiques. Facteur de qualité. Les documentations de qualité, c'est trois critères. C'est qu'elles soient pertinentes, facilement trouvables et claires. C'est tout. Vous prenez votre petit triangle, clair, pertinent, facilement trouvable, et vous faites voter les gens, vous voyez où en est votre documentation. Ça, c'est intéressant. L'autre, c'est les infrastructures flexibles. Alors, je fais attention parce que Google a eu quelques critiques parce qu'il faisait la promotion du cloud dans le modèle Accelerate, parce qu'ils ont repris. Donc, on disait, ouais, c'est pas bien. Bon, maintenant, ils appellent ça infrastructure flexible. Bon. On va dire, on va prendre les critères du cloud, c'est juste de parler d'élasticité, de parler du côté broadcast, c'est-à-dire vous avez une ressource, vous pouvez y accéder depuis n'importe où, le pooling, de pouvoir partager des ressources également, etc., etc. Bref, tous les bénéfices qu'on retrouve aussi dans le cloud permet aussi, et les services à la demande, permet d'avoir un impact derrière sur votre organisation. Et le reste, globalement, c'est la même chose que ce que vous avez vu aujourd'hui. Mais c'est les deux nouveaux. Et je fais un petit saut avant de terminer, avant de me présenter. Il parle également de l'importance de qui on est et de s'affirmer. Ça, c'est l'approche RSE aussi qui peut être intéressant. Aujourd'hui, il y a un constat qui est fait. Les femmes et les minorités sous-représentées ont à peu près entre 24 et 40% de tâches répétitives en plus que les hommes. C'est ce qui a marqué dans le rapport 2023. Et en termes de burn-out, c'est entre 6 et 24% de plus que les hommes. Et j'aime beaucoup cette section parce qu'il avait pas, il la mettait pas en évidence et il l'en remis dans le rapport 2023. C'est, voilà. C'est, je trouve très intéressant. Et voilà, ben, moi Geoffrey, directeur technique chez Zenica Bordeaux. Le poste de directeur technique, c'est pas hiérarchique, c'est horizontal. Et j'offre un environnement aux collaborateurs, collaboratrices pour qu'ils s'améliorent, pour qu'ils apprennent, ben, bref, pour avoir une expérience
qui soit agréable dans cette SS2I. Bah, évidemment, de l'accélérité du DevOps, vous vous en doutez un petit peu. Et j'ai touché à des trucs aussi, agilité, Knevin, systémique, du cloud, de la sécurité. Je suis conférencier formateur et en ce moment, ce qui m'éclate, c'est le coaching en prise de parole, parce que j'adore ça, je trouve ça super bien. Et vous aurez le plaisir de voir Johanna avec qui on a travaillé, on s'est régalé. Et je travaille avec Julien Topsu. Et merci beaucoup de votre écoute, de votre patience. J'espère que vous avez pris plaisir. Et s'il y a des questions, bah écoutez, on pourra faire ça autour d'une pizza. Ça me fera grandement plaisir. Merci.